Sachez que le sport et moi, ça fait moins 10. À part si j'ai une bonne source de motivation, genre un coach. Non, plus sérieusement, vous êtes plusieurs à avoir remarqué que j'ai pris du poids depuis que je suis arrivée à Perpignan. Mais Dieu merci, ça veut dire que je mange bien et que tout se passe bien. Blague à part, au niveau du sport, faut que je trouve un sport collectif. Faut pas que je trouve un truc où je suis toute seule. Je ne suis pas une meuf qui fait du sport toute seule. Il faut un truc genre du basket, je sais pas, un sport collectif qui me fait me lever pour mon équipe. Parce que pour moi, je me lèverai jamais. Et pour les autres, j'aime trop faire plaisir ou rendre service. Ou quand les gens ont besoin de moi, j'aime bien être là, être présente. Donc si demain je m'inscris et je m'engage dans un sport collectif, je serai obligée d'être là. En gros, j'ai mon TikTok. Comme j'ai changé de téléphone, c'est sur mon deuxième téléphone que j'avais mon adresse email. Je ne me souviens plus de mon adresse email. Je le récupère normalement, si tout se passe bien, dans 6 jours. Mais je ne peux pas attendre 6 jours parce que cette adresse email-là, elle est liée à mon compte TikTok. Et sauf que le compte TikTok, il y a le double identification. Donc quand je mets mon pseudo et mon mot de passe, il me demande obligatoirement de valider avec le code par mail. Est-ce que vous savez si je peux enlever cette double identification et éviter d'attendre 6 jours avant de me reconnecter sur mon compte TikTok, quoi? Ça m'arrangerait. Ça va à la plage sans moi? Tu es vraiment blonde. Quoi? Tu es vraiment blonde. Il dit ça parce que moi, il m'a dit ouvre-moi la porte. Du coup, je ouvre la porte de l'interphone. En fait, il était devant la porte. J'étais en bas. Raffiche-moi encore une fois pendant que je dors, je vais t'afficher aussi au réveil, tu vas voir. Attention, ne m'affiche pas moi quand je dors, je te le dis, là c'est papa.